J'ai pas confiance. Oui, bon, on nous demande de participer. Collectif. Innovation. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Inquiet. Les champs. Le cadre. Partenariat. Quelle cloche? La recherche. Tous ensemble. Le plan de partage de données. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois toutes ces personnes, toute cette émulation, vous pouvez m'expliquer? C'est un grand projet qui démarre, un projet de partage des connaissances sur les calcloches. Moi je suis un chercheur, docteur Plural, et nous sommes associés pour ce projet avec tout un ensemble de partenaires. Alors parmi ces partenaires, nous avons Madame Lamonnet, notre bailleur de fonds qui finance le projet. Nous avons la juriste, Madame Lecadre, qui fournit le cadre juridique pour ce projet. Et nous avons les organisations paysannes avec Madame Louverte de l'organisation paysanne... Le réseau Calda. Réseau Calda, pardon Madame Louverte. Et puis nous avons ici Aimé Monchamp, Monsieur Monchamp, donc du réseau Clochard, donc réseau paysan. Et mon honorable confrère, le professeur Métrique. Enchanté, professeur. Voilà, nous sommes au grand complet et nous espérons que le projet va démarrer d'un moment à l'autre. Super, voyons ce que ça donne alors ce projet. Merci. Merci. Oui, allô? Oui, Madame Lecadre, Madame Lamonnet, vous savez, du bailleur public. Ah oui, Madame Lamonnet, oui, je vous écoute. Écoutez, une bonne nouvelle, voilà, le projet va pouvoir démarrer, tout est en place, donc nous sommes ravis. Ce projet est vraiment très beau, on ne peut que souligner son excellence scientifique, son caractère innovant, cette étude pluraliste de la transition, nous sommes enchantés, voilà. Super. Le projet va pouvoir démarrer. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle, je vous remercie beaucoup. Attention, hein, on reste bien dans le cadre indiqué, le budget fixé et les délais surtout. Vous savez bien que par rapport à ça, voilà, on ne peut surtout pas déborder des délais. Ne vous en faites pas. Continuation. Merci beaucoup, Madame Lamonnet. Au revoir. Super. Ça y est. Oui, c'est parti. Nouvelle. C'est formidable. Parti. Allons-y, je vais annoncer la nouvelle à tous les partenaires du projet. Oui, merci. Madame Louverte, ça y est. Bonjour. J'arrive avec une bonne nouvelle. Ah. Le projet a démarré. Ah, c'est bien. Nous allons pouvoir nous rassembler pour démarrer le projet. D'accord. Donc je vous invite à apporter vos connaissances. Oui. Pour venir les partager avec nous. Oui, d'accord. Donc, nous vous attendons pour la réunion. Oui, j'arrive. Monsieur Bronchamp. Ah, c'est vous. Ah, santé, j'ai une bonne nouvelle. Allez, c'est quoi? Le projet a débuté. Ah, bien. Votre projet, c'est bien. Vous pouvez vous joindre à nous? Vous amenez vos connaissances? Mes connaissances, mais lesquelles? Regardez tout ce qu'il y a. Bon, allez, amenez tout ce que vous pouvez. Bon, je prends ça. Allez. Chers collègues, le projet démarre enfin. Très bien. Réjouissons-nous. Mais j'aime pas ce lieu, moi. J'aime pas. Je me sens pas bien. Là. C'est austère. On serait mieux dans nos champs, non? Oui, mais ils nous demandent de participer. Donc, tu vois, ils vont nous demander ce qu'on sait faire. Donc, on va leur montrer. Bon. Ouais. Ah, bon. Je suis content de participer à ton projet là. Ça fait vraiment plaisir, mais. Tu sais, c'est la première fois en 20 ans de carrière, c'est la première fois que je dois travailler de manière collaborative. Là, ça me fait un peu. Ça m'inquiète un peu. Puis. Tous ces trucs administratifs, c'est très bien, mais c'est barbant pour moi. Je déteste ça, quoi. Moi, je suis très enthousiaste.
Ah, t'es très enthousiaste, mais tu m'as amené plein de monde là, plein de monde. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah, ma connaissance, très bien comment. Depuis 20 ans, les Carcera Clocheritus, elles sont connues et reconnues depuis longtemps. Mon travail est reconnu. Tu vas voir, l'essentiel c'est de partager les connaissances. Ok, si tu le dis. Quoi. Tu vas voir, tout va bien se passer. Je suis ravie, c'est formidable. Notre réunion de lancement du projet Colcal. Donc voilà, nous allons pouvoir travailler sur le partage de connaissances autour des calcloches. Voilà, donc pour ça, pour faire les choses correctement, il est important d'avoir un cadre où nous allons pouvoir remplir quelques petits papiers, hein, simplement, avec justement le plan de partage des données. La convention de reversement des subventions, et oui, ça c'est très urgent, et puis il ne faudra bien sûr pas oublier le consentement éclairé de tous, mais avant tout, les conventions de reversement des subventions. Et pour cela d'ailleurs, Madame Lamonnet m'a bien précisé que seuls les prestataires pourront recevoir les subventions. Ah mais on, les subventions, donc on est partenaire. On participe à la recherche, on apporte des connaissances. Alors on est tous au même niveau, on fait de la recherche. Alors non, c'est vrai qu'elle m'a également précisé que seuls les instituts de recherche peuvent être partenaires. Comment ça, on n'est pas partenaire? Mais si on n'est pas... C'est quoi alors? C'est quoi? On n'est pas partenaire? Alors, nous pouvons vous reverser. Pour cela, il nous faut vous considérer comme prestataire et non comme partenaire. Oui, mais on avait dit partenaire. Prestataire, mais c'est quoi ça, prestataire? C'est un prestataire, c'est qu'on travaille pour vous. Écoutez, on n'a pas le choix. Les instituts de recherche sont partenaires et vous êtes prestataire. Ça change pas grand-chose, de toute façon, non? On n'a pas le choix. Okay, d'accord, on n'a pas le choix. Mais tant qu'on est reconnu comme partenaire de la recherche et qu'on peut être rémunéré et que nos droits sont reconnus, ça va? Exactement, c'est très important que nos droits soient reconnus, parce qu'on a des droits. Moi, je me suis déjà fait avoir par ce genre de choses. Donc, il est très important que nos droits soient reconnus. Mais vous avez entièrement raison, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour que vous ayez justement vos droits, et nous allons ensemble définir vos connaissances respectives, pour que justement personne ne s'attribue le mérite de vos connaissances propres. Alors pour ça, il me faudrait que chacun de vous me donne la couleur de sa connaissance, s'il vous plaît. Principale. Moi, c'est bleu. Merci, parfait. Est-ce que je peux en donner deux? Alors non, c'est une couleur par... Ça va être celle-là, la petite. Verte. Très bien, merci beaucoup. Mais oui, mais on en a tellement des connaissances, on en a tellement, et là, vous, une seule. Bon, bah, elle est rouge. Merci, parfait. Mais moi, c'est pareil, j'en ai plusieurs, je ne sais que choisir. Allez, je vous donne la jaune. Eh bien, écoutez, je crois que c'est bon. C'est formidable. Nous nous sommes tous mis d'accord, voilà qui est formalisé. Nous avons signé le contrat, le projet Colcal peut commencer. Alors, bien sûr, il ne faudra pas oublier le temps qui a déjà commencé à s'écouler. Allez, c'est parti! Hey! Wow. Moi ça! Wow. Ça, c'est toi? Moi ça! Wow. Ça! Oh! Oh! Ça! Magnifique! Ça! Magnifique! Ça. Magnifique! Et toi ça? Moi? Ça, c'est moi, ça. Beau, ça! C'est beau, ça. Ah! Ah, ça! Ça! Ça, tiens. Ah, ça! Et... On fait ça? Ça! Allez, ça! Magnifique! Ah, ouais! Bien! Allez! Non, pas comme ça! Ah, non, comme non, ça. Non, ça! Ça! Comme ça! Comme ça! Si, comme ça! Mais non! Si, regardez! Comme ça, comme ça, comme ça, ça et ça. Mais comme ça, regarde. Comme ça, pur.
Mais comme ça. Oui, oui, comme ça. Comme ça. Oui, comme ça. D'accord. Tu peux pas ça. J'ai ça. Ça. Bon. Voilà. Contre ça. Oh, merci. Intéressant, ça. Allez. Voilà. Allez. Transformons ça. Non plus. Non plus. Non plus. C'est l'heure du rapport final. La fin du projet. Oh, voilà. 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 Tout le monde est là? Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à notre bailleuse, Madame Lamonnet. Merci à notre juriste, Madame Lecadre, chers confrères, professeur métrique, et les représentants, bien sûr, sans qui tout ça n'aurait pas pu avoir lieu, les représentants des organisations paysannes. Je vous remercie d'être parmi nous, Madame Louverture et Monsieur Bonchamp. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui, en cette réunion finale de projet, de vous présenter le résultat de nos travaux. Et voilà, vous pouvez découvrir avec nous l'ensemble des connaissances, la pluralité, la diversité des connaissances que nous avons assemblées sur les calcloches dans le cadre de notre projet. Et là maintenant, je vais passer la parole au professeur Métrique qui va vous expliquer plus en détail les tenants et les aboutissants de ces résultats. Merci, très cher confrère, de me passer la parole. Ceci est le résultat d'un travail de longue haleine, voyez-vous, auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer. Vous voyez sur ce cadre la correspondance entre la Calcera clocherutus, rappelez-vous, la variété lambda, et son coefficient, qu'on oublie bien souvent, son coefficient de concavité. Il est sans même doute visible car en multipliant le coefficient de la Calcera par le coefficient lambda multiplié par la fonction de concavité, nous arrivons enfin à obtenir ce résultat qui est sans doute magnifique. Il aurait certes pu être de meilleure qualité si nous avions pu isoler de manière plus importante la connaissance bleue ici présente. Ceci étant, le niveau d'innovation atteint avec ce projet est absolument magnifique. En 20 ans de carrière, j'ai rarement obtenu un tel résultat. Donc, merci, merci, merci. Merci, cher professeur. Je passe à présent la parole à Madame Lamonnet. Merci de me donner la parole. Je suis ravie. Je suis ravie et je ne peux que dire, c'est magnifique. Bravo, bravo. Bravo à tous, félicitations. Les chercheurs, bien sûr, les agriculteurs. Bravo à tous. Vraiment, c'est magnifique. On voit bien la pluralité de valeurs, on voit bien la dynamique, la transition, l'excellence scientifique, la coopération. Donc, mon dernier mot, c'est félicitations. Mais elles sont où nos calcloches? Exactement, exactement. Où sont nos calcloches? Toutes les connaissances sont là. Hein? Où elles sont? Toutes les connaissances sur les calcloches sont là, assemblées, elles sont là en filigrane. Toutes les connaissances sont là.
Non mais bon, je profite de votre présence, très chers amis, collègues, pour vous annoncer une très très bonne nouvelle. Nous avons obtenu de nouveaux projets grâce aux résultats, déjà, issus de ce travail. Les données que nous avons pu recueillir au cours de ce projet ont permis, voyez-vous, d'être compulsé dans une base de données qui sera maintenant disponible à l'échelle mondiale. Ce qui nous permettra d'aller beaucoup plus en avant dans la connaissance de laquelle sera Clochericus. C'est vraiment un travail magnifique qui vient d'être réalisé ici. Je vais encore poser une question. Quel projet? On ne nous a jamais parlé d'autres projets? Quelle base de données? C'est quoi cette histoire de base de données, de banque de données? Vous ne nous avez jamais parlé de ça? C'est quoi cette histoire? Et là, ça, c'est ma connaissance. C'est ma connaissance que je vois là. Et ça, c'est ma connaissance. Et regarde. Ben oui. Regarde, ça c'est à moi et ça. Mais t'as raison, et ça c'est à moi. Ah mais oui, mais oui, regarde. Ça c'est la mienne, l'affaire, tu la reconnais. Et celle-là aussi. Et ça c'est à moi. Et ça c'est à toi, oui. Et ça c'est à moi aussi. Et ça. Voilà, les chercheurs, c'est comme ça. À chaque fois, c'est pareil. On travaille pour vous. Voilà, vous récupérez, vous vous appropriez les choses. Voilà, toutes nos connaissances qui étaient là, vous vous êtes toutes appropriées. Mais bien sûr, on a tout assemblé. On a assemblé toutes nos connaissances. Mais je veux pas que ma connaissance vous serve à vous. Oui, puis vous nous avez dit qu'on participait, qu'on allait s'y retrouver, qu'on faisait partie de la recherche, qu'on était des partenaires, et on attendait un retour, nous. De ce travail, et il est où? On reconnaît pas nous, on reconnaît nos connaissances par petits bouts. Non. Excusez-moi, mais là les bras m'en tombent, je ne vous comprends pas. D'un côté, vous dites que c'est votre calcloche, ce sont vos calcloches. D'un côté, vous dites que vous ne reconnaissez pas vos connaissances. Enfin, excusez-moi, mais là, je trouve votre discours incohérent. Alors, pardonnez-moi de vous le dire. Attendez, souvenez-vous, on va regarder ce qu'on a déterminé ensemble. Vous vous souvenez avec, justement, hein, les connaissances de chacun. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. C'est même un peu compliqué. Alors, moi, je vais vous dire, c'est simple. Hein. Le financement est public, on est tous d'accord. C'est de la recherche publique, donc ça appartient à tous. C'est simple. Bon, alors, on a peut-être un petit problème d'incompréhension, de communication, mais avec un peu de temps supplémentaire, on va tous pouvoir se mettre d'accord. Non, mais un peu de temps, je vous arrête tout de suite. C'est fini? Alors, bravo, bravo, c'est magnifique. Ce que vous avez fait, c'est magnifique. On est tous d'accord, bravo, félicitations, et bonne continuation à tous.